Bien, chapitre 2 donc de Cube Escape Paradox. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, je vous avouerai. On repart donc sur une toute nouvelle aventure du coup. Bon, on a déjà 2-3 trucs qui sont déjà branchés, donc ça c'est cool. Ensuite, donc on a ça. Ah. Ok, donc le 4 en bas. Ok, le L en haut. Et les deux points en bas. Ok. Et on a un petit bout de papier. Très bien. Et on a également une espèce de. Oups. Hop. Une espèce de grain de café. Il y a un truc là. Non? J'ai cru. Ok, il faudra qu'on allume la lumière. Ça va falloir qu'on retrouve à nouveau la clé. Ok. Ok. Ah, il y a du nouveau. Il manque visiblement des choses. Ok, est-ce que le bout de papier... Non, le bout de papier ne m'aidera pas là-dessus. D'accord, ok. Je suis encore coincé ici. Bon, très bien. On est... Ok. Ah, le retour. Le fameux retour. Ouh là, plus complexe là, par contre. Du coup. Ok. Ok. Comment on va faire? Parce que c'était déjà pas évident avant. Oh yo 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 le dallage. Là, ok. Alors, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Ok. Celui-là, c'est quoi? C'est le T. Lui est bien comme ça. Le T, le cercle. Et on a ça. Et donc ça, c'est le I. Oh, ça va être chaud. Là, c'est chaud. On n'avait pas autant de pièces la première fois. Elle va même pas le remettre en position initiale, si. Comment procéder?
Okay. Okay. Alors, qu'on dise pas de bêtises. L'ordre pour le moment, c'est comme ça. Idéalement, il me faudrait le i. Alors, lui, ok, lui, alors faudra inverser les deux. Mais dans l'idée. Pas évident. Hop, hop. Ok. Ensuite, il va me falloir le carré. Ok, donc à gauche c'est fait. Maintenant à droite. Lui, il faut la spirale. Ok, donc il faut comme ça. Bon, c'est bon, ça va être simple. Alléluia. Plus complexe, hein. Beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc ça, ok. Oh. Ok, on a déjà la grille. On a des symboles. Ok. On a déjà le cigare allumé. Va nous refaire la clé. Ah, nouvel élément. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment vieux. J'ai jamais vu ça. D'accord. Alors j'ai jamais vu ce type de vidéo projecteur, hein, je vous avouerai. Là ça me dépasse. Ok. Ok.
Ouais. Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est ça. Hein? Je peux pas le mettre en service. Ça, il est encore vivant. Tristesse. Ah, nouveau ça. Ok. Alors, j'ai un tournevis, mais... Ouais, ok, il y a que le manche qui est affiché, mais c'est pas grave. Je peux pas forcer les serrures, bien évidemment. J'ai pas vu... Oui, si, il y a le miroir. Je suis encore coincé ici. Ouais, mais... Fume pour me redonner le code, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Bon. Cigare allumé. Alors... il y a ça avec la fiole. Bah tiens. Non. Tournevis peut-être? Non plus. Pour le bout de papier, je sais où il va. Désolé mec, je sais pas ce que tu veux. Hop. Ici, j'ai regardé déjà. Là, ici, c'est les dossiers, mais ils sont fermés. Ouais. Oh. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. Ok. C'est débloqué maintenant. Et donc je vais pouvoir récupérer la dernière. Voilà. Hop, ça c'est comme dans le chapitre 1, donc c'est pas trop un mystère. Est-ce que j'ai une autre loupiote qui s'allumait? Non. C'était là. Alors, Watch Rusty Light TV 945. L'avantage, c'est que la télé, elle est activée d'office. Attendez, je vérifie juste un truc. Attendez. Ouais, on est OK, on est OK. Hop. Donc 945, là, j'ai dit. Go deeper into your mind. Look at the painting and burn your soul. OK.
Ok, alors ça c'est normalement la clé de ça, hein. Oula. Ok. Dale Vandermeer, Psychological Evaluation. Ok, on est né en 1930, on est détective. Il nous faut notre photo. Test de personnalité. Mental disorder, anxiété, abus d'alcool, claustrophobie, dépression, ichtyphobie. Alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Bougez pas. Google Traduction. De l'anglais en français. Appareil photo. Qu'est-ce que tu peux me traduire là? Sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que le dernier mot. Ichtyophobie, mais je sais pas ce que c'est. Je vais chercher sur internet. Je vais chercher sur internet ce que c'est. Ichtyophobie. La peur des poissons. D'accord. D'accord. C'est la peur des poissons. Je savais même pas que c'était possible. Là, je. Alors. Le patient souffre d'un jeune d'un traumatisme dans l'enfance. Conséquence de ses peurs, de ses anxi de son anxiété et de d'un sentiment d'abandon. Ok, d'accord. Perte du sens des réalités au cours d'une affaire criminelle récente, déclenchant plusieurs souvenirs refoulés. Ok. Le patient sera dirigé vers un institut psychiatrique de qualité. Ok. Wow. C'est raide. Plaque de tableau. Alors ça c'est bien, c'est le seul tableau que j'ai donc. Si c'est pas ça. On va faire un truc qui va pas me plaire. Bah oui, évidemment. Ah, ils sont pas dans le bon ordre. Ok, d'accord.
Ok, on débloque pas les choses dans le même sens, hein. L'annuaire officiel. Il y a tout un lore, c'est ouf. Bon, ok. Donc, on a une liste de personnes avec des numéros de téléphone. Et ici, on n'a rien. Ça, c'était ouvert, ça. Ça me flingue. Bah oui, c'est vrai que il est pas là le vidéoprojecteur du coup. Juste une question, la plaque. Elle me la fallait pas quelque part? Non. Ouais, ça devient compliqué. Oh. Okay. Ah. D'accord. Ok, j'ai compris le jeu. Ok. En fait, on ne peut pas mettre un livre plus grand sur un plus petit. Ok. Du coup, ici, ici. Lui, il va dessus.
Oui, on les échange. Il passe là et il passe là. Pas compliqué. Ouf. Le guide utile du mental elf. Par J. Highlander. À mon avis, il va falloir taper ce numéro. J. Highlander. Aïe 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 aïe. Mais c'est creepy as fuck. Vivez votre esprit. Reflétez le présent, le passé, le futur. Oh, dans la pièce. Chacun a un rôle à jouer. Ok. Le passé ne meurt jamais. Faites face à votre âme corrompue. Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, J. Highlander. Alors, juste avant. Non? Ok. Ça, on n'a pas la clé. Bah oui, évidemment. D'accord, ok. Il va falloir qu'on trouve une enveloppe. Et c'était quoi le dernier truc? C'était quoi le dernier truc dans le bouquin? Un œuf. Bon, je sais pas à quoi va me servir ce cœur, mais c'est pas grave. Du coup, je commence à avoir mal au crâne, je vous avouerai. Alors, dans les E. E. J'ai un Highlander D. C'était pas D le nom de famille, c'était un J, je crois, c'est ça? Bref, 57 67 1. 57 671. Je dois le retenir comme ça. 57 671. Good morning, D.A. Linda. Magic show. When will you arrive? I'm already here. Where? In front of the door. D'accord. Ouais.
très énigmatique, mais pas. Bon. Voyons un petit peu les noms. Si je vais dans Vander. Dans les V. Si je tente d'appeler la nana Van, parce que Anna Vanderboom, ah c'était ça, c'était une autrice, hein, c'est ça. 36 772. Not the Red Vial. Parce qu'au départ, c'était la Blue Vial, c'est ça? Qu'il fallait surtout pas prendre. Et là, on va tomber sur la bleue. Ce qui me paraît évident. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait une enveloppe à trouver. Il y a, en fait, il y a beaucoup de choses. J'ai un cœur, j'ai plein d'outils, plein d'objets en fait qui ne sont pas utiles, enfin qui pour le moment sont pas encore utilisés. Et pareil, ah oui, du coup, je n'ai plus la. Et oui, j'ai plus la machine à écrire du coup. J'ai mal au crâne, je vous avoue, j'ai mal à la tête. Oh, attendez. Là, j'ai rien. Non, y a rien qui. Y a rien qui m'a dit quoi que ce soit. Non, j'ai aucun indice. Ouais, d'accord, y a pas de cassette là-dedans. Alors, parmi les heures, je me souviens qu'il y avait midi et quart. Je me souviens plus de la première heure, par contre. Et il y avait la troisième heure qu'on n'a jamais trouvée, hein. De. Du chapitre 1. Bon, ici, visiblement, je vois pas quoi faire d'autre. Ici. Ici, j'ai ce truc là. Ah, attendez. Y a pas un truc là, y a pas un. Ah, oh, purée, d'accord. Betrun et Artef. Ok, d'accord. Et les choses ont bougé.
Les choses ont bougé. Ok, d'accord. C'est un peu, c'est un, c'est drôle ça. Ça c'est super intelligent ça. C'est un tableau de Van Gogh. Il y a visiblement un portrait qui ressemble à un portrait de Van Gogh. Et bien sûr, on trouve une oreille. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Van Gogh s'est coupé une oreille parce qu'il était un peu taré. Et il était tombé amoureux d'une femme et il s'est mis en tête de lui offrir son oreille. Et cherchez pas à comprendre. Il avait tourné la carte. Il avait tourné la carte à ce moment-là. Du coup, j'ai une oreille. Super. Encore un objet de je sais pas à quoi il va servir. Hop. Putain, ça devient vraiment morbide. Hein. J'ai un œil, j'ai un cœur, j'ai. J'organise un petit peu les choses hein, selon ce que je pense ce qui serait utile ou pas. Un œil, une oreille, un cœur, putain, mais. C'est glauque, hein, mais. Je tente des trucs, j'en sais rien. Oh. Il me manque un truc et j'ai tout oh putain, et j'ai tout au même niveau. Je trouve ça au pif comme beaucoup de choses. Et bah attendez, il me manquait pas un truc Non, ça c'est l'évaluation. J'ai un carré, non, c'est pas ça. Il me manque un truc à mettre là. Je vais remettre la musique. Hein. Voilà. Elle est douce. Ah, il n'y en a pas en fait. Ok, d'accord. Ah, si. C'est léger, mais il y en a une. Voyons les noms.
Putain, c'est ouf. Alors que la Miss là, ça a marché là, la Miss Highlander. 57 671. Je vais réécouter la conversation. 57 671. Good morning, D.A. Linda. Magic show. When will you arrive? I'm already here. Magici. Where? In front of the door. Devant la porte. Et pour moi, la porte, il n'y en a qu'une, quoi. Ok, il y a plus de... Ça, j'arrive pas à voir. C'est un volet. Ok. The past is never dead. Le cerf et le volet. Oh, purée. Oh, quand le jeu me fait ça, ça me... Bon. On a déjà un truc. On a rempli une pièce du dossier. Et on est à 44 minutes. Oh, c'est terrible, hein. Pareil, là, ça, il faut une source de chaleur.
On va aller revoir le tableau là de. Y a pas un chiffre là. Le cerf et le tableau. Le cerf et le. Il est où le cerf? Il est là. Ben là, je bloque. Là, je vous avouerai, je bloque. Je pense que je vais faire une pause. Parce que là, vous ne le savez pas, mais j'ai enchaîné en fait avec le chapitre 1. Enfin, avec la fin du chapitre 1. Donc, je suis. J'en ai un petit peu plein la tête en fait. Est-ce que là, il n'y a rien de plus. Là, il n'y a rien de plus. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais au secours. Mais au secours, quoi. Bon, ça dépense et dépasse, hein. Ok, super. Ah. C'est l'esprit usé du détective Vandermeer. Il a subi de lourds dégâts à force de stress et d'anxiété. C'est pourquoi il est désormais inutile. Ok, super sympa. Pour plus d'informations, à Vanderboom. Appelez à Vanderboom. Putain, mais je l'ai appelé tout à l'heure. Mais bon, je pouvais pas. Hein, je pouvais pas parce que le jeu fait que il n'y a pas de bruit de force possible. Donc j'ai vu juste, mais j'avais pas l'élément réellement. Alors, Vanderboom A 36 772. C'est ça, hein? Non. Si, c'est ça. 36 772. Looking for a new present mind? I think so. I am confident the new mind is not far away. Where should I look? You have been looking before. What do you mean? Watch yourself. Channel 412. Get some okay. Busy. Thank you.
Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je me demandais pourquoi il y a une loupe au niveau du pouce. Mais en fait, non, c'est pas que c'est au niveau du pouce. C'est qu'il faut utiliser la loupe. Mais 492. Non mais sérieux. Si tu me fais des coups de pute comme ça, ça va pas le faire. Quatre-vingt-douze. Bon. Ah, si. Ok, d'accord. Un espace vachement plus grand que. Mais c'est pas normal, mais bon. C'est ça. Ça, on est ok. Bon. Nous disions donc 492. Ok. Huit cent soixante-dix-neuf. Soixante-dix-huit. Sérieux quoi. Ah, la clé du globe. Cool. Ça, j'avais bien aimé sa globe, pouvoir faire le parcours et tout. C'était pas compliqué. Je sais pas s'il va nous demander de faire la même chose, mais. Si. Alors, par contre, je suppose que le chemin va être différent. Exact.